Salut à tous. Bon alors là, je vais pas être motivé pour la vidéo, hein. Je sais que ça arrive souvent, mais ça fait 3 fois que je la refais. Donc pourquoi? Bah, à chaque fois je me faisais buter par le boss, connement. Hein. Donc c'est pas que le boss est difficile, c'est que j'ai mal géré en fait. Et enfin vous allez bientôt voir à quoi il ressemble. Hein. En plus je pouvais même pas faire de level up puisque il n'y avait pas d'ennemis là où j'étais avant la vidéo donc. Ça l'avantage quand on quitte sur la carte ou dans un endroit où on peut sauvegarder. Oh merde. Donc ouais alors là les chiens, enfin les chiots. Non plutôt les chiens mais. Si on en tue un, l'autre s'enfuit. Hein. Donc ouais j'ai oublié de mettre l'équipement sur Céleste. Donc voilà, on n'a pas trop le temps de tuer l'autre, mais bon. Ça sert à rien. Bon, j'espère que je vais réussir à tuer le boss. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Alors. Là, pour penser qu'on passe par là. Parce que c'est con, mais. Il y a certains trucs qu'on peut pas passer tout, par exemple, là, on peut pas. Ah mais franchement j'ai vraiment pas de chance. Voilà donc je vais l'équiper. Il y a qu'elle qui peut mettre les grosses épées comme ça. Donc alors je vais vous expliquer un peu le boss. Comme ça j'aurai pas besoin de le faire après. Donc en clair le boss il fait des magies. Et s'il fait des magies sur tout le monde donc c'est pas trop grave, mais s'il fait une magie sur une seule personne, ça tue à un coup en fait. Et comme on est deux, voilà, après c'est foutu. Hein. Donc le truc, c'est que celle-là c'est sa capacité, que je vous ai pas encore montré. Donc voilà, qui permet de, si elle le fait, si un ennemi fait une magie juste après, enfin un ennemi ou même un ami, ça absorbe la magie, du coup on se prend pas les dégâts. Mais le problème c'est que si je fais ça, le boss il a aussi des attaques physiques, donc elle peut pas absorber, et du coup je crève à cause de ça. Et je peux pas me soigner parce que si je me soigne avec Céleste, si je me soigne avec Céleste, ouais bah, elle peut pas faire le truc pour absorber la magie. Donc le truc c'est qu'il faut le faire au bon moment et pas à chaque tour, enfin je sais pas si vous me suivez bien. Donc là voilà, je peux pas partir d'ici. Donc de toute façon je crois que cette fois, même si je perds contre le boss, je laisse la vidéo quand même parce que ça commence à me saouler mais ça commence vraiment à être chiant quoi. De toute façon je recommencerai juste de là, voilà. Vu que j'ai sauvegardé là, et ouais, y a pas de point de sauvegarde dans le boss. Bon, c'est pas très long pour l'atteindre, donc. Bon, cette fois, par contre, je combats tous les ennemis parce que bon, j'en ai marre de crever. Donc, ouais, le truc que je pourrais faire contre toi, c'est me soigner avec Loki, mais s'il fait dégâts sur tout le monde, voilà. Pas très pratique. Donc, là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis une relique à Céleste qui permet d'augmenter les dégâts magiques. Donc puisque Loki n'a pas de magie. Ok. En plus il sert à rien tout ça. Un chasseur de trésors qui s'est pas volé. Je dis pas voleur. Ah, putain. En plus c'est de la merde. Donc il y a toujours qu'un seul objet sur les ennemis. Donc ça sert à rien de voler deux fois le même. Alors le boss essaie pas de le voler non plus. Ah bah comme ça je gagne un niveau au moins.
Alors, donc ne pas hésiter à utiliser tous les points de magie, parce qu'on va bientôt tous les régénérer. Et puis on a pas mal de toute façon. Donc là je vais foncer direct au boss. Hein. Je cherchais pas à comprendre pourquoi je vais pas à certains moments. Je prends le chemin le plus court. Hein. Mais on tue les ennemis quand même. Ce qui est con, c'est que quand on attaque l'ennemi par surprise, ils auraient dû le mettre à l'envers. Ou dû le mettre comme ça, pour que ça se voit mieux. Ça aurait été plus sympa. Enfin, sauf que les ennemis à l'envers, ça existe dans le jeu. C'est quand on les contrôle avec un des personnages. Il y a un personnage, il peut les contrôler. En fait, il peut les dessiner, c'est une peintre en fait. Et après, il y a une relique que elle peut porter et qui permet de contrôler l'ennemi. Et quand on le contrôle, il est à l'envers. En fait. Vous allez voir, du perso, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a 14. Deux qui sont cachés, que bien sûr je vais vous montrer. Hein. Je prends tous les trucs possibles hein, dans le jeu. Enfin, je vais pas prendre tous les coffres non plus, mais tous les persos, les meilleures armes, armures, etc. Voilà, le boss est pas loin. Vous allez voir, il est assez chiant. J'espère que je vais pas crever, franchement. Et on peut pas sauvegarder là. Hein. J'ai bien vérifié, il n'y a pas de plan de sauvegarde pas loin. Parce qu'il est pas censé être trop fort en fait. Peut-être que j'aurais dû faire plus de level up. En plus, la première fois que j'ai enregistré la vidéo, je me suis rendu compte. Enfin, déjà, je me suis fait niquer par le boss. Je me suis rendu compte que j'ai oublié d'enregistrer le son. Donc, déjà, j'ai pété un câble. Ensuite, j'ai recommencé la vidéo, je me suis fait niquer par le boss à nouveau. Donc, juste pour savoir. Niveau suivant. Ouais. Apparemment, il monte assez facilement de niveau. Donc, ouais, le boss arrive dès qu'on arrive près de l'entrée. Voilà. Voilà. Donc, apparemment, au premier tour, il fait jamais de magie. Donc, ne pas faire runique. J'ai réussi à le tuer après hors vidéo. Ouais, c'est ça. Il ne blessera pas mon cul. Donc, quand on est sûr qu'il fait pas de magie, faut attaquer. Par exemple, là, il en fait pas, donc j'attaque. Après, là, je sens qu'au bout d'un moment, il va faire... Ah, il l'a fait. Donc, vous voyez, c'est ça qui est assez chiant avec lui. C'est que du cul. Donc, voilà, ça, c'est pour empêcher les magies, ce que je viens de faire, là. Donc, voilà, là, il fait un truc. Du coup, j'ai rien. Donc là, vu qu'il a fait deux magies d'affilée, je pense qu'il va pas en faire une troisième. Enfin, j'espère. Et si. Vous voyez, j'ai vraiment pas de cul. Hein. Et voilà, elle est morte. Donc, je vous ai dit, c'est assez chaud. Ça me fait vraiment chier, mais franchement, je recommence pas la vidéo pour ça, parce que j'en ai marre. Je sais pas comment faire. Hein. Putain de merde. J'en peux plus. Franchement, c'est vraiment très très chiant quoi. Bon, comme ça, vous verrez ce que ça fait quand on crève. En fait, je suis sûr que c'est le seul boss contre qui je vais avoir des problèmes parce que les autres quoi, je me les fais comme je veux. Donc, on reprend d'ici. Alors, est-ce qu'on a gardé nos. Ouais. Je sais pas si on a gardé nos niveaux par contre. Ah, bah si, en plus. Peut-être que ça nous a enlevé du fric, je sais pas. Il y a certains jeux où ça coupe le fric en deux. Au moins on a gardé les niveaux comme ça. Ah, ça fait chier, j'avais réussi à le battre hors vidéo en plus. Donc je suis désolé de vous faire subir ça deux fois de suite. Hein. Mais franchement, je. J'ai pas envie de recommencer la vidéo. Hein. En plus, c'est un peu du cul parce que des fois il fait des magies tous les trois tours, des fois il en fait à chaque tour, donc on sait jamais quand est-ce qu'il faut faire runique et. Et voilà, du coup, il y a l'autre qui est bloqué en plus, super. Là, le truc qu'il lui a fait, c'est un espèce de stop en fait. Donc là, il peut rien faire, ok.
j'avais de la chance, ouais, celle-là ça a fait un coup critique. Ah voilà. La fois où j'ai battu le boss. C'est bizarre parce que je me rappelle pas l'avoir trouvé dur dans mes autres parties. Je comprends pas trop. Peut-être que je jouais mieux. Peut-être que j'avais plus d'XP. Bon, c'est sûr que leur vidéo c'est beaucoup plus chaud, on joue beaucoup plus mal. Hein. On joue. Même un RPG où on peut prendre son temps, on joue pas terrible quoi. Donc ceux qui enregistrent le savent, mais ceux qui enregistrent pas, je vous le dis, essayez d'enregistrer en même temps, vous verrez que vous allez faire n'importe quoi. Ok, j'essaie de me concentrer, mais je parle tout le temps. Je suis obligé de parler pour vous faire tenir parce que ça va être chiant avant d'arriver contre le boss. Bon, désolé si je repère contre le boss encore une fois. Je pense que je vais couper si ça arrive. Donc, faire une vidéo je pense au connard, ça me saoule un peu. Hein. Là je devrais monter de niveau normalement. Oh yes. Voilà, bah elle aura pu faire le coup critique contre le boss la prochaine fois. Donc, apparemment, premier tour il fait pas de magie, ce salopard. Oh non, il monte même pas de niveau, c'est con. Oh non, ça c'est trop con, ils vont monter de niveau, c'est moi qui te le dis. Hein. Ah, il y a même niveau le cul, ils montent de niveau. Ouais, ah, quand même, un truc près. Attends, je vais voir si je peux leur voler des potions. Ce sera sympa. Oh merde. Ah, s'ils commencent déjà à nous faire chier. Guitara avait un sort de feu, elle a un sort de glace. Bon d'accord. Ça s'arrange pas. Hein. Donc oui, je crois que le scénario de Loki, c'est parmi les trois, là, scénario, celui de Sabine, Loki, machin. C'est le plus court. Il y a juste la ville, cette grotte à traverser, et après on se retrouve à Narcher et c'est fini. Sabine il est assez long et Terra je me rappelle plus trop ce que c'est en fait. Je sais plus où ils vont après. Enfin bon après ils se rejoignent tous à Narcher à la fin. Ah il a pas monté de niveau ce con. De toute façon il nous fait un sort sur une personne on crève quand même. Hein. En tous les cas. Pff, ça fait chier à 17 quand même il abuse. Bon. Je tente, désolé si je repère. Hein. Donc je pense que je vais couper si je repère. Oh non. Putain de... Chier. Donc là je vous dis, c'est la troisième fois hein, que je le fais. Donc je l'ai encore loupé la fois où je me dis... Voilà. Que j'avais coupé si je loupais, donc c'est fait normalement. Mais parce que je sais pas si encore je vais couper, hein, parce que je commence la vidéo. Là. Attends, apparemment quand il met du temps, il va lancer de magie en fait. Ah non. Donc bonne nouvelle, il n'en a pas lancé. Critique super. Donc là il me fait un feu. Donc ça il peut me tuer aussi quand il a 96 avec autre chose qu'une magie. Hein. Donc il faudra peut-être soigner un peu. Espèce de connard. Je crois que c'est mort. Oh, j'ai réussi. Donc je sais pas comment ça se fait que j'ai autant de mal contre lui. Hein. Il est pas si fort que ça d'habitude, je sais pas. C'est pas le problème. Et voilà.
Donc le prochain scénario de la prochaine vidéo. Donc ouais, j'ai toujours pas compris comment ça se fait que j'arrive pas autant. Donc à la prochaine vidéo. Salut.